Vous l'avez certainement constaté, voire apprécié, la transformation spectaculaire du carrefour Accaillé dans la commune d'Auvindeau. Un espace public a été réalisé, donnant une nouvelle coloration dans cette partie du sud de Libreville. Des travaux réalisés par Mika Service sous la supervision du CTRI. Patricia Ligimolé, Justin Diana. L'aménagement de ce rond-point du carrefour Accaillé est assurément un des chantiers le plus apprécié par les populations du 5e arrondissement. Mika Service apporte là son lot de nouvelles réalisations urbaines qui viennent ainsi transformer cette zone avec la création de cet espace public. Il s'agit ici de faire un aménagement urbain, à savoir chaussée type et trottoir, aire de jeu, espace fitness et tout est en matériaux béton. Il fallait qu'on travaille en demi-chaussée pour permettre aussi la circulation, pour que la circulation ne soit pas interrompue. Mais malgré ça, on a pu réaliser dans les plus brefs délais selon les exigences du CTRI. Une métamorphose qui embellit la ville et pour laquelle les travaux réalisés à 90% permettent de faire face aux inondations, mais facilitent également la circulation en toute sécurité. Afin de pallier au problème d'inondation du côté d'Accaillé, nous avons opté pour la création d'un bassin versant. C'est un grand bassin versant qui commence du côté Accaillé-Pétro, qui commence du pont Nomba jusqu'au carrefour Accaillé. À certains endroits, on va remarquer qu'il y a des caniveaux qui travaillent en trop plein. En trop plein, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'eau des pluies arrive à un certain niveau pour permettre l'évacuation des eaux. Donc, l'eau va s'évacuer en suivant la pente, c'est la trajectoire en fait. Si le débit est trop grand, on aura l'impression qu'il y a des inondations, mais en fait, ce ne sont pas des inondations, c'est juste le trop plein. Et après, ça s'évacue. Du côté d'Accaillé, bassin versant 2, c'est-à-dire Orca, on a opté pour un bassin versant de 572 mètres linéaires. Quelques difficultés certes, mais les innovations ont transformé cet espace attractif. C'est les îlots qui permettent de pouvoir bien situer les différents sens de circulation. Donc sur ce lieu, on pourra faire de la musculature. Le site du carrefour Accaillé est donc un exemple d'une planification urbaine qui répond aux normes des pays développés.